La souris. La souris, c'est qui? Papa, c'est une fille dont j'ai eu un enfant avec elle quand j'étais encore mondial, papa. C'est une fille qu'elle m'a beaucoup promis. Elle pour ça beaucoup? Beaucoup promis la mort, tout et consort. Quand on m'avait opéré la première fois, j'avais les fixateurs. Elle m'avait dit si je ne viens pas à Yaoundé, voir son père, c'est que je ne vais jamais marcher. Et elle m'a dit son père, pourquoi? Elle m'a dit que si elle vient voir son père, parce que son père était couché gravement sur le lit d'hôpital, que si elle vient voir son père, lorsque son père va me voir, il va se lever, il va marcher. Moi, elle demandait si je suis Dieu, est-ce que je suis qui? Elle me dit simplement que viens, que le nombre de jours que son père a fait coucher à l'hôpital, c'est le nombre de jours que je vais faire, que je vais être assis. Est-ce que tout le monde suit ça? Suivez la sorcellerie. Et un jour, papa, les gens ont des problèmes, hein? C'est ça que la nuit de prière, c'est bien haut. Le culte, je ne peux pas avoir le temps ici. La fille dit que si tu ne viens pas, tu ne vas plus jamais marcher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Papa, lorsqu'elle a parlé cela, je lui ai répondu que moi, je crois en Dieu, que tu n'es pas mon Dieu, que j'annule. Et après, le lendemain, je me suis mise en prière aux environs de 12 heures. Elle m'appelle au téléphone. Elle me dit ceci, que tu ne savais pas que j'étais une sorcière, que je vais t'avouer cela aujourd'hui, je suis une sorcière, que ton accident, que si tu t'amuses, j'ai fait l'autre pied se casse, il suffit juste qu'il prenne ton nom, je donne à ma mère et la chose est accomplie. C'est avec qui que tu as les rapports sexuels? Vous qui n'avez pas de discipline. You are not disciplined. À gauche, à droite, tu vois ce premier venu. Bim! Tu es tombé. Tu tombes sans glisser. Lui, il sort avec une sorcière. Après, vous avez un enfant? Hein? Oui, papa, j'ai un garçon et le garçon. Après l'enfant, elle lui révèle qu'elle est sorcière. Qui est ton. C'est qui? Est-ce que tu connais son identité spirituelle? Do you know him? Et papa, voici comme ça la deuxième opération. Et on m'a encore mis le fer dans le pied et le chirurgien a dit qu'il va me faire pas pour qu'on puisse m'opérer pour retirer le fer dans le pied. Et présentement, même le puits sort dans mon pied actuellement. Asseyez-vous ici. On va arrêter ça maintenant. Aidez-le à se lever. Comment? C'est pour ça, hein? Écoutez, je veux prier Dieu pour vous, que Dieu vous ouvre les yeux. Vous êtes tous des prophètes. Vous êtes des fils et des filles de prophètes. Vos yeux doivent s'ouvrir. Est-ce que je peux prier pour ça? Hein? Comment tu peux vivre avec une sorcière? Fais l'enfant, tu ne sais pas que c'est une sorcière. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tends ta main vers notre frère. Nous allons prier maintenant. Que ce que la mère de son enfant a déclaré contre lui retourne sur elle. C'est son problème là-bas. Si quelqu'un menace un membre de cette église, il est mort. Amen. Oui, dead man. Ouvre la bouche. Au nom de Jésus, renvoyons à l'expéditeur. Seigneur, quel que soit ce qui est sur son pied. Nous retournons ça à l'expéditeur au nom de Jésus. Seigneur, quelle que soit la flèche qui a été lancée sur son pied, Père, que ça retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Tout esprit de paralysie qu'on a lancé dans son pied, Père, nous retournons cela à l'expéditeur au nom de Jésus. Seigneur, toi le Dieu des cieux, toi le Dieu de notre Père, tends ta main maintenant. Retourne cela à l'expéditeur. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Père, j'ordonne que ses pieds soient guéris, que les blessures soient guéries, l'infection s'arrête. Nous ordonnons qu'après avoir ôté les fers, ton ange fortifie ses pieds et il marche. Nous renvoyons à l'expéditeur tout maléfisme pratiqué contre ses pieds dans le nom souverain de Jésus. Mon fils, sois libre aujourd'hui. De toutes ces menaces de sorcellerie, le sang de Jésus te couvre et tu es libre, 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 libre,
libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de paralysie, sors et ne reviens plus jamais. Sors et ne reviens plus jamais. Sors et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus. Regarde la puissance de Dieu sur son pied là. Regarde la puissance de Dieu sur ce pied. Regarde la puissance de Dieu sur ses pieds. Regarde la puissance de Dieu. Rends ses pieds, rends ses pieds, rends ses pieds. Rends ses pieds, rends ses pieds. J'enlève la malédiction sur ses pieds. Je renvoie l'expéditeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Son miracle est accompli. Dans le nom de Jésus. Aidez-le à se lever. Doucement, doucement. Allez-y. Aidez-le. C'est fini. On enlève le fer. Il est délivré. Comme il est délivré, toi aussi tu es délivré au nom de Jésus. Amen.